Après son premier passage en 2009 devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il s'agissait une fois de plus pour la Côte d'Ivoire de faire le point de la situation globale. Nguinema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a présenté un rapport préparé avec la représentation permanente de la Côte d'Ivoire au Conseil en Suisse. Les recommandations en rapport avec la situation politique du pays et les mesures de sortie de crise ont été réalisées à 100%. Outre la situation en rapport avec le domaine politique, au cours de cette 19e session du groupe de travail, le ministre ivoirien a abordé la question de l'apatridie avec les solutions en cours. Les réfugiés, la traite des enfants, les violences basées sur le genre et bien d'autres points étaient au menu. Un appel a été lancé aux Nations Unies pour accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire souhaiterait, au titre du premier chantier, être accompagnée pour les prochaines élections électorales prévues en 2015. Aider dans le renforcement de la sécurité en termes de formation des agents de sécurité, d'équipement des forces de l'ordre, de la poursuite de la réinsertion des ex-combattants et de la sécurisation du territoire, d'où l'appel à la levée de l'embargo sur l'importation des armes. Au terme de son exposé, plusieurs recommandations ont été faites. À cause de la profondeur de la crise et de la complexité des problèmes qui se posent, il y a des questions fondamentales qui méritent encore de faire des progrès. Et ça, c'est ressorti pendant le débat. Le premier problème de fond, c'est la relance urgente du dialogue politique. Tout le monde a reconnu que c'est un point fondamental. Deuxième point, la question de l'impartialité de la justice et la question de l'impunité, c'est-à-dire le fait que tous ceux qui ont commis des crimes graves pendant cette grave crise feront l'objet de poursuites judiciaires. Et enfin, le troisième point, c'est de faire en sorte que la croissance économique remarquable de la Côte d'Ivoire se traduise dans le panier de la ménagère.